Bilkhissa is alive today because her father fought for her life when her diabetes symptoms appeared 10 years ago. Elle avait maigri tellement et elle mangeait beaucoup. Elle urinait à tout le temps. La nuit, elle peut uriner au moins 4 à 5 fois la nuit. J'étais deux fois, ça m'arrivait d'être trop faible et aussi de perdre même, je voyais même pas bien. J'avais des troubles visuels aussi. J'avais désespéré aussi pour ma fille quand même. Eventually, Bilkhissa was diagnosed with diabetes using a simple blood test. But then, she needed insulin to survive. En ce temps, pour trouver un flacon d'insuline, c'était tout à fait problème. Et des fois, je marche tout qu'on a cru pour trouver un seul flacon d'insuline. Des fois, on me dit qu'il faut qu'en ville, c'est Madame Kaba, ou bien des fois, on fait même la commande. Je trouve qu'il n'y en a pas, ça ne se trouve pas. Bilkhissa now visits the Changing Diabetes in Children clinic in Conakry. Regular checkups, education, blood glucose meters, and free insulin keep her healthy. Still, living with diabetes is not easy. Quand même, le programme m'a beaucoup aidé parce que je gagne de l'insulin maintenant comme ça se doit. Et je suis suivie aussi à l'hôpital très bien et on m'a appris beaucoup de choses aussi. Maintenant, quand même, je suis tranquille quand même. C'est que si ça continue comme ça, vraiment, j'ai beaucoup d'espoir quand même pour la vie de ma fille.